Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Gaminette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Alors la dernière fois, dans la dernière vidéo, on m'entendait pas très très bien, mais j'avais mis le son à fond au niveau de mon PC, donc ce qui fait que ma voix s'est fait moins entendre que d'habitude. Mais bon, normalement pour cet épisode, tout devrait mieux aller. Donc, je disais, dans le dernier épisode, nous avions farmé les âmes de vol. Nous avions même combattu un boss et on s'est fait déchiqueter. Nous avons créé au passage l'arène. Il nous manquera plus qu'à poser les statues de cœur, de mana, enfin bref, surtout de cœur. Et il y a des choses qui ont changé. Avant de commencer cet épisode, je vous avais dit dans le dernier épisode que je voulais faire l'épée de l'herbe, mais il me manquait aussi l'épée du Crimson à faire pour la Night Edge. Et j'ai préféré le faire en off et reprendre la vidéo ensuite, et j'ai bien fait. Car pour l'épée de l'herbe qui m'a permis de créer la Night Edge, il m'a fallu au moins un bon 40 minutes de farm. Donc ça aurait fait un épisode entier et je pense pas que ça aurait été... très intéressant à suivre. Donc, voilà, c'est tout pour l'explication. Mais en off, j'ai pu avoir d'autres trucs comme par exemple une pioche en mithril, parce que j'avais rencontré Dimitri en chemin. Des flasques d'or, parce que j'ai vu que je pouvais faire des flasques d'or pour les attaques de mêlée, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, un autre truc que je vais essayer de voir là tout de suite. C'est la création des... Non, pas lui. La création des potions de spéléologue, car ça peut être très utile. Alors, il nous faut des minerais d'or. Sérieusement. Des minerais d'or. Des bouteilles d'eau, de la clignoherbe. Bah écoutez, on va essayer de s'en faire. Mais je vous garantis pas qu'on va pouvoir... On va pouvoir, alors déjà il nous faut des bouteilles, et pour faire des bouteilles il nous faut du verre. J'aurais su, j'aurais pas tout consommé. Je pense pas que j'ai du sable. Il me semble, ah si j'ai du sable, donc ça c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? Bon, ça on prend. Les pouces de lune. Et du minerai d'or, bah malheureusement, ça on n'en a pas, mais on a un moyen d'en générer. On va prendre tous les blocs de vase que l'on a eu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça je vais le prendre pour la coloration. Tous les blocs de vase, ça aussi. On en a d'autres normalement, non? Regardons bien. Si on a déjà des bouteilles là, donc pas besoin de prendre le sable. Alors, on n'a pas énormément de blocs de vase, tout ça. On a des pousses de lune encore ici. Malheureusement non. Bon, en tout cas, on va faire avec ce qu'on a ici. Ah, on a de l'or. Le jeu a été généreux. Ça va. Ce que tu portes est trop terne. D'ailleurs, on va en profiter. On a reçu... Bah alors, c'est où? Ah, de la teinture de poli. Je sais pas si c'est très beau, on va vérifier ça. Je vais garder ça au cas où. Alors, voyons voir la teinture qu'il nous a donnée. Hein? Mais attends, c'est moche. C'est moche, mais ça fait un effet plutôt stylé à notre bouclier, alors on va garder ça. Non, pas sur les ailes.
sur notre cœur. Hein. Oui, parce que j'étais dans le Crimson pour me faire un petit combat contre le cerveau de Cthulhu et ainsi permettre la création de l'épée parce que j'avais plus de minerais. C'est pas très beau. Franchement, je vends le reste. Ça me permettra d'avoir un peu plus d'or. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Alors maintenant, on va essayer déjà de se crafter des bouteilles d'eau. Donc, ma station de craft à bouteilles d'eau ici. Voilà. Maintenant, on va essayer de se faire... Ah non, en fait, on peut s'en faire également avec de l'EP. Ah bah, alors c'est tranquille. C'est plutôt tranquille. On va essayer de s'en faire la blende. Alors, on en a ici. Bon, par contre, il nous manque des pouces de lune. Mais on a quand même réussi à se faire 13 popos de spéléologie. C'est plutôt énorme. On va mettre les bouteilles d'eau en place. Voilà. Et on va miner un peu dans les grottes. Hein, histoire de trouver le titanium qu'on avait vu la dernière fois. Parce qu'il nous permettra de changer de four. De miner également. Bah, du mithril. Allez, potion. En action. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je vois tout. Ah, je vois du mithril. Regardez-moi cette vitesse de minage. Sauf pour le mithril lui-même, évidemment. C'est pas beau de miner les blocs de roche aussi rapidement. Ouais, c'est sûr que là... Ça mine ultra vite. Bien que j'étais pas mécontent de la pioche en paladin, hein, mais celle en mithril, elle mine vite. Par contre, on va effacer un peu la carte pour le moment, parce que j'ai besoin de voir tous les alentours. Ah, on risque d'être gêné, par contre. D'ailleurs, mon petit tour dans la jungle n'a pas pu me permettre de me farcir le... Enfin, j'ai pas pu obtenir le yellet. Donc, c'est un loot effectivement assez rare. Waouh, il y a... On a la blême de mithril par ici. Alors, c'est peut-être parce que j'en ai aussi également profité pour casser d'autres hôtels de démons. Mais genre, quand même pas mal d'hôtels de démons. A eu pour effet évidemment d'augmenter le taux de... Ah bah non, je suis pas venu ici, donc je vais mettre les trucs que je me sers pas si présent. Voilà, et on va s'occuper le plus vite possible des minerais qu'on a minés. Parce qu'il nous reste déjà, mine de rien, que 2 minutes de potion. D'ailleurs, je suis un idiot, les potions de spéologie, j'aurais dû les crafter dans la station spéciale de potions. Qui a une chance de 33% de ne pas consommer les ingrédients. Donc c'est plutôt bête de ma part. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, y en a-t-il par ici? Alors déjà, ça c'est intéressant à prendre.
Il y en a déjà un peu plus qu'avant du cristal. C'est plutôt bien. Ah, du mithril. Bon, par contre, pour la roche du halo, c'est pas encore ça. Alors aujourd'hui, ça va être épisode minage, oui, c'est sûr. Mais bon, il le faut bien. What? Autant d'ennemis au même endroit, sérieusement? Et ils veulent ma mort, hein. What? C'était quoi cet acharnement? En tout cas, on a aussi à disposition la blende de titanium. Ça, c'est plutôt good. Important, toujours casser le maximum d'hôtels de démons pour espérer trouver le maximum de minerais. Et encore du mithril. Toujours plus de mithril. Alors, notre potion s'estompe dans 18 secondes. Et de toute façon, on a déjà trouvé le reste de titanium qui nous manquait. Minerai de titane qui, au passage, est assez long à miner. C'est compréhensible. D'ailleurs, je suis plutôt content que ça soit du titane et pas de l'adamantite. Parce que, c'est déjà, ça a plus de défense. Et en plus, le bonus d'armure est beaucoup plus intéressant que de l'adamantite. Alors déjà, on va prendre notre four. Ok. Et on va s'en faire une forge en titane. Yeah. Voyons voir un peu ce qu'on va pouvoir se faire. Allez hop. Ok. Le casque en mithril pour seulement 10. Ah ouais. Ouais, le casque en mithril, ça ok. Les bottes. La côte de maille en mithril. Ça va, ça demande pas énormément pour les accessoires en mithril. C'est généreux. Le coût de craft est pas énorme. Par contre, pour le titanium, ça va être autre chose. Ça va être vraiment autre chose, hein. Donc faudra pas s'étonner du coup que demandera la production. Hop, ça c'est arrangé également. Ça, poubelle, on en a pas besoin. Ça, on va le garder sur nous, évidemment. On va essayer de minerer le restant. Potion de spéologue, révèle-moi tous les minerais dont j'ai besoin. Avec 12 potions de spéologue, vous allez voir qu'on va avancer assez vite. Ça rend quand même le minage bien plus fun. Ah, y a pas à dire. Déjà en enfer.
Un démon nous pourchasse. Bon, on va éviter de trop traîner et surtout se mettre à chercher. Ah bah tenez. Bon, par contre, s'il y a trop de gêneurs, ça va pas le faire. Les blocs de cendres, on en a pas besoin. Allez. On mine plus vite. Ah, ils sont sérieux. Bon, par contre, j'ai pas l'impression qu'on va avancer à grand chose en allant de ce côté. On va aller autre part. Quelque part de plus accessible. Bah oui, tombe dans la lave. Il aura pas fait long feu cet ennemi. La lave plus mon yo-yo. Oh, yo-yo. Alors ici, il y a tout ce qu'il faut. On se sert. Allez hop, ça c'est bon. Ah, il y en a encore ici, je ne l'avais pas vu. Encore ici. Ah, ça prend du temps pour tout miner, hein. C'est sûr que ça va pas prendre 5 minutes. Et qu'est-ce qu'ils sont ingrats. Ah, une nymphe. Lol. Une nymphomane. Ouais, j'avais laissé ces trucs là, bon bah je vais faire pareil. Je vais laisser ma merde inutile dans le coffre. Parce que je vois pas trop comment m'en servir. Enfin, j'en vois pas trop l'utilité pour le moment. Ça a forcément une utilité, mais on en a pas besoin. Que quand même faut dire ce qui est bien dans Terraria, c'est que quasiment tout n'est pas laissé enfin, y a quasiment tout qui a une utilité, rien n'est au hasard, enfin rien n'est laissé au hasard, même les blocs de vase. Déjà 22 secondes. Les 5 minutes passent vite, dis donc. Ah bah c'est pas grave, regardez, il y a du titane là-bas. Allez, on va aller tout droit, on tombera sur du titane. Non, il y avait bien plus de titane que ça. Voilà, comme ceci. Minerai de plomb. Allez, une autre potion pour la route.
Avec un peu de chance, on sera... Je pense pas, mais bon, avec un peu de chance, on sera armure de titane avant la fin de cet épisode. Bon, déjà, si on a la chance, on pourra se faire la pioche. Je pense qu'on pourra se faire la pioche. Je suis pas sûr à 100%, mais au vu de tous les minerais qu'on commence à récupérer, c'est probable. Ça a plein d'itin. Hein. Oh oh. J'avais pas remarqué, mais en fait, il y a plein de minerais spéciaux comme le diamant, le saphir, tout ça. Mais bon. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je doute. Allez, encore la blette de minerai de ce côté. On y fait un tour. Ah d'accord, c'est les blocs de vase qui me font autant de dégâts. C'est pas grave, on ramasse la vase. Très utile la vase. En plus c'est bien, on prend tout d'un coup. Enfin, quasiment tout. Seule tête verte. Niveau minerai de titane, on est quand même à 100. Plus de 150, donc c'est beau, c'est beau. Ah là encore la blende de mithril par là. À mon avis, je pense qu'on n'aura pas besoin d'autant de mithril. Que là clairement ouais, on a déjà 142 mithril, c'est peut-être un peu beaucoup. Tout ce mithril, oh là là. Dégagez les chauves-souris. C'est intéressant de les tuer, ces tortues. Elles peuvent me loot un truc très très utile. Bah d'ailleurs, vous savez quoi? Le mithril va pas s'envoler. Mais il se passe quoi là? What? Pourquoi j'étais confus? What? Mais vous avez vu tout le mithril qu'il y a? Et si avec ça on n'a pas assez pour se faire tous les composants du mithril, je comprends pas. On va même pouvoir en vendre. Est-ce qu'on récupère vraiment tout le mithril? Je crois que j'ai cassé un peu trop d'hôtels de démons. Parce que là, quand même, j'avoue que les filons, en plus d'être nombreux, ils sont gros. Même pour le titane, hein, avoir des filons comme ça de titane, ça demande de casser pas mal d'hôtels. Oh là 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 là. On remontera ensuite à la surface pour faire le compte rendu. Après, est-ce qu'on a besoin de remonter tout de suite? Oh, allez. Ah, on a...
D'accord, on a une deuxième tête de Médusa, à croire que le loot a été augmenté. Parce que clairement, ça s'obtient pas comme ça. Hein. Mais alors, vraiment pas. Faut du temps de minage. Mais c'est chaud, quoi. D'accord, alors, maintenant, on va ranger le tout. Oh là là là, ça fait beaucoup quand même. Beaucoup, beaucoup. Alors, verdict. Eh bien, même avec tout ce titanium, comment vous dire? Oh, l'épée fait que 55. Pas tellement besoin de la faire. Vitesse moyenne, vitesse rapide, non. Pas tellement besoin de la faire. L'âge de guerre en titane, non plus. Bon, on va se faire du coup la pioche. Qui a un bonus de 15 de dégâts. Bon, bah, c'est pas mal. Ah oui, par contre, j'ai même plus assez pour faire de l'armure. Alors que de la mitrille, là, j'en ai à foison. C'est du n'importe quoi. Ok, bon, bah, armure en mitrille. Non, mais pas ça, ça. Voilà. 43 d'armure, hein, c'est pas mal. Et est-ce qu'on serait pas un autre truc Non, franchement, ça vaut pas vraiment. C'est quand même bien mieux d'être un sabre, d'avoir un sabre Jedi. En tout cas, on va stocker ça ici pour le moment. Pareil pour le titane. Boutique, on va vendre du coup ceci. Plus sa pioche en mitrille. Et le reste, bon, on va le stocker. Voilà. Très bien. Gratter l'oreille. Les petites oreilles. On va faire un petit peu. Parce que l'objet dont je vous ai parlé en question, un objet qui est très bon pour guerrier, bah c'est justement ces tortues qui sont en possession de cet objet. Donc c'est pas mal d'aller faire un tour dans la zone de glace. Vous savez quoi, on peut y accéder un peu plus rapidement. Oh mais regardez la vitesse de minage. Cette vitesse de minage. Bah, j'aime pas trop la lumière que donne notre pet. Franchement, non, vous savez quoi, on va faire un truc bien plus intéressant. On va aller farmer un peu les fées. Vous voyez, pour avoir un pet lumière intéressant au minimum. Parce que avoir un casque, c'est bien, mais faut quand même changer à un moment donné. Donc on va farm ces petites bestioles jusqu'à plus soif. Voilà. Tiens, ça donne pas un bonus de dégâts mon armure. Si, quand même. On va servir de notre fusil à pompe. Comme ça, on aura un peu plus de richesse.
Bon, par contre, merci de faire spawn les bons ennemis. Que ça aussi, c'est un petit problème. Je pense que pour les fées, c'est quand même un peu mort. Oula. On va éviter d'aller par là, hein. C'est devenu hostile par ici. C'est devenu très hostile. Bon bah, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, pas grave. Les fées, je les farmerai en off. C'est pas très très grave. Je les farmerai en off. Du coup, on va rééquiper notre casque. Tortues, les tortues, montrez-vous. Ça sent le golem de granit. Ouais, comme je disais. Bon, c'est pas toi que je veux voir, Coco. C'est ces bestiaux là. Alors, j'ai oublié le taux de drop de la carapace gelée. Mais bon, vu que des tortues, il y en a quand même pas mal qui spawnent. Quels enfoirés ces trucs. Allez, viens par ici. Je te ferai pas de mal. Il est sérieux là. C'est de la merde en fait ces flèches. What? Genre il avait réussi à passer. Ouais, donc ces flèches là, l'arc des abeilles on a plus tellement besoin, hein. C'est devenu un arc plutôt pourri. Elles sont inoffensives pendant que vous les attaquez, sinon elles vont se mettre à vous poursuivre comme des tarés. Allez, un petit spawn de tortue là. Chaque tortue compte. What? Ah non, c'est... D'accord, c'est une bannière, rien de plus. Toujours pas. Ils sont dangereux ces gars-là quand même. Vas-y, viens par ici. C'est dangereux. Ici. 6 or et 22 argent. On va quand même redescendre sous terre, hein. Tant que de toute façon il n'y a pas de boss mécanique qui se manifeste, on a tout le temps de se préparer. C'est par ici que je suis mort. Très bien.
Alors, un peu de spawn, s'il vous plaît, messieurs. Non, il n'y a pas de tortue qui veut spawner. Allez, allez, allez. Un petit peu de spawn là quand même. Mais genre, il n'y a vraiment aucune tortue là? Ouais, d'accord. Bon, il y a des ennemis, mais c'est pas ceux que je veux voir. Voilà, c'est plus toi que j'ai envie. C'est plus toi que j'ai envie de voir, ma cocotte. En plus, ça peut me loot une faux de glace. Qui peut être vraiment pas mal. Même si j'avoue, je préférerais la faux des... Enfin, la faux normale, hein, la faux toute violette, là. Complètement OP qui passe à travers les murs. Ok, bah toujours pas de loot, hein. C'est soit j'ai pas de chance, soit c'est vraiment rare. Et donc dans ce cas-là, bah on n'a pas de chance. Ok. Ah, il y en a juste là. Ok. Une autre. Allez. Oh, il y en a deux même. C'est la fête. Malheureusement, toujours rien à signaler. Oula, un pigrone. Heureusement qu'on les entend, eux. J'ai envie de dire. Ah, un peu de potion, je dis pas non. Bon, par contre, ça veut pas spawner. Ah, si. Quand même. Ça va, il y a quand même la grotte. Enfin, les grottes sont quand même assez énormes, hein, pour permettre le spawn d'ennemis. Allez, ils vont bien finir par me. What? C'est un coffre que j'ai jamais vu, ça. Ah, lol. Bon, on va y mettre des trucs dont on se sert pas, comme bah, ces trucs-là. Bon, allez, hop. Ces trucs-là, on s'en sert. Ça, non. Ça, ça dégage. Bah, je suis comme ça, moi. Allez, au revoir. Tête de mon fusil à pompe.
La tortue, elle fait quand même 83 de dégâts. Hein. Plutôt pas mal. Ah, il y en a deux. Par contre, bon, le farm va pas durer éternellement. Hein. Je compte arrêter la vidéo à un moment donné. Et donc, si on réussit pas, bon, bah, je le ferai en off. C'est pas très très grave. Regardez-moi la sadique ici qui a voulu tomber directement sur ma face. Il faut en tuer combien en fait? Combien il faut en tuer, sérieux? Parce que là, depuis tout à l'heure, à tuer des... Enfin, je veux bien tuer des tortues, mais bon... Bien qu'à un moment donné... Enfin, des méchantes tortues, je veux dire. Oula, il y a un pigrone dans les parages. Voilà, c'était sûr. Ah, il m'a loot. Ah, ça c'est très bien par contre ce qu'il m'a loot. J'avais oublié que le pigrone ça lootait ça. Ah, ouais, ça pourrait être très utile lors des combats ça par contre. Bacon, vous avez dit bacon. Alors notre personnage serait, enfin raffolerait de bacon. Ah tiens, le marchand squelette. Oh, mais ça veut dire que... Non, pas cette fois-ci, malheureusement. On n'a pas de chance. On n'a pas les fameux... Vous savez, les fameuses torches là qui ont l'effet du spelling... De la potion de spéologie quand on les a équipés. Malheureusement, il n'en vend pas. C'est dommage. Mais bon, ça aurait été cheaté. Et on aurait fait des potions de spellunker pour rien. Enfin, ça fait pas l'effet vraiment, mais ce qu'il y a autour de notre personnage brille. Donc c'est quand même cheaté. Bon là, il y aura bien un moment donné la vidéo où je vais devoir arrêter. Donc malheureusement, je pense que le farm, ça va être en off. Il nous a même pas prévenu de son arrivée. Ouais, d'accord. Ah là par contre on en entend un. Bon bah c'est pas grave, on va remonter à la surface. On va faire le point avec ce qu'on a. Ça va là, ça va ici. Ça on range également. Ça pareil. Pareil. Allez, nouveau coffre. On range à la zob. Tiens, d'ailleurs, ça on va garder. Je farmerai ça en off également. Parce que bon, faut pas déconner. Hein. Ouais, bon, tu peux me laisser l'accès à mon coffre, s'il te plaît? Allô? Merci. Non mais je te jure que le mec il monopolise mon coffre, sérieux. Ok, bon très bien, ça déjà c'est fait. Le bacon on va le garder. Ah, j'ai oublié de ranger le platinium. Très bien, bon bah cet épisode aura pas été très très... Quoique, bon. Même les phases de minage ont plutôt été fun je trouve, donc... N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à pousser ainsi qu'à partager la vidéo autour de vous. Rien ne vous oblige à ne rien faire. Hein. Parce que bon, vous regardez, c'est déjà bien d'un côté, n'est-ce pas ?
Ça avait crash, donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire mes adieux pour cet épisode. Mais bon, je vais réparer ça, évidemment. Donc, je vous retrouve bientôt pour la suite, plus tard. Et à plus, Muminou.